Salut. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Vous êtes une amie de Fanny? Oui. Je suis son voisin, Marc. Vous me reconnaissez? Ah, bonjour Marc. Bonjour Marion. Vous connaissez mon prénom? Ah oui. Je connais tous les prénoms des jolies filles de l'immeuble. Merci. Vous aimez lire? Oui, si on peut appeler ça lire. Vous le savez peut-être déjà, je suis romancier. Non. Si. Quel livre avez-vous écrit? Peut-être j'ai déjà lu un truc de vous, sans le savoir. Oui, peut-être. Enfin, ça m'étonnerait. J'écris surtout des essais dans des revues spécialisées. Ah. Mais en ce moment, mon éditeur me pousse pour faire un ouvrage populaire. Alors je crois que je vais céder. Il parle de quoi, votre roman? Oh, ce sera sur les gens, la vie, l'amour. Ça a l'air très intéressant. Magali et Claire vous ont certainement dit que j'étais romancier. Ah si, maintenant que vous me le dites, peut-être, je crois me souvenir que Magali m'en a parlé, en effet. Ouais. Magali vous a parlé de moi, quoi. Oui, oui, je crois bien, oui. En bien, j'espère. Oui, peut-être, oui, en bien. Edith, c'est pas à vous que la dame fait un signe, là-bas? Un signe? C'est une folle, elle est complètement dérangée. Elle fait une fixation sur moi. Alors comme ça, Magali vous a parlé de moi? Oui, de vous et de votre ami. Comment s'appelle-t-il déjà? Daniel. Ah oui, Daniel, oui. Je l'ai aperçu. Il a un charme fou. Daniel, du charme? Vous êtes sûr qu'on parle du même? Oui. Il a une prestance. Je veux dire qu'il est... Il est très élégant, oui, c'est ça. Il est très élégant. Et c'est important pour vos amis aussi. Oui. Peut-être, oui. Oui, je pense. Mais dites, il me semble que vous vous intéressez beaucoup à elle. Ah non, je me renseigne pour Daniel. Ah bon, ouais. Oui, il est très intéressé par Claire, alors. Ah, bon, je ne savais pas. Ah, bah, quelle surprise. Bon, ben, je vous prie de m'excuser. Ah, pardon. Je dois remonter. Vous partez déjà? Oui. Et puis, les filles m'attendent. Au revoir. Ah bon. Marc, mon petit Marc, vous êtes enfin libre. Je ne voulais pas vous déranger pendant que vous étiez avec cette jeune femme, mais j'ai quelque chose de très important à vous dire. On verra plus tard. Pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Oui. Au revoir. Oh. Mais comme il est vif, ce garçon. Oh, il est merveilleux. Oh, mon petit Marc. Un peu, ma chance, monsieur Malongue. Et nous en aurons bientôt terminé. Oui. Alors moi, je veux quelque chose d'élégant. Alors vraiment, de très élégant. Oui, ne vous inquiétez pas. Mais attendez, ne bougez pas. Mais ça va pas faire trop miner au banquier. Bon, ne vous inquiétez pas, monsieur Malloy. Je suis le spécialiste. Je vais vous faire une look sur mesure. Sur mesure? Ah, sur mesure. Mais oui, ça ne sera pas très difficile. Avec l'élégance naturelle de votre silhouette, je crois même que je n'aurai pas trop de mal. L'élégance naturelle de ma silhouette? Mais si. Vous avez les gabarits d'un top modèle avec la pointe de force virile en plus. Si, moi, monsieur Malloy, c'est un plaisir de vous habiller. Je dirais mais presque que... Tout vous va, si? Ah oui, vous trouvez? Et je commencerai par abaisser un peu le col pour mettre en valeur votre cou. Mon cou? Bah si. Bah, vous avez un cou parfaitement remarquable. Ah oui? Bah si. Il est à la fois distingué et solide. Si. Et c'est comme un tronc sur lequel se pose votre tête. Mais ce serait sacrilège de ne pas mettre en valeur une coupe pareille. Il sera un peu comme l'étendard de notre costume. Oui, monsieur Spinetto.
Vous avez bientôt terminé? Si, si, il me reste à voir encore les problèmes de la fermeture. Vous préférez fermeture droite ou croisée? Croisée, droite, qu'est-ce que vous préférez? Je sais pas, qu'est-ce qui est le plus élégant? C'est difficile à dire, mais pour vous, je verrais plutôt une fermeture croisée. Si, 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 ça accentuera votre démarche féline. Si. Bon, bah, croisée, alors. Et croisée, très bien, croisée, vous préférez croisée. Enfin, la démarche féline pour les femmes, je sais pas. Moi, ce que je veux surtout, c'est être élégant, c'est tout. Monsieur Malloy, les femmes ne détestent pas un peu de douceur chez les hommes? Si vous préférez que la coupe soit droite, il n'y a aucun problème. Non, non, croisons, monsieur Spaghetto, croisons. Spaghetto, spinetto, spinetto, si. Croisez la fermeture croisée. Muy bien, molto bene, si. Je vous demande encore quelques secondes de patience. Je vais prendre les coups. Allez. Salut, c'est... Bonsoir, messieurs. Salut, Daniel. Marc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vois bien. Enfin, tu connais monsieur Spinetto? Non, je crois pas. C'est moi. Enchanté, je suis enchanté. Monsieur Spinetto habille toutes les grandes vedettes du showbiz, de la politique et du quartier. Il est grand auteur romancier comme monsieur Malon ici. Bah, quand vous dites toutes les stars et les grandes vedettes du quartier, vous exagérez un peu, monsieur Malon. Disons simplement quelques-unes, si. Oui. Alors, nous avons donc dit un costume en cachemire, oui. Une alpaga, si. Et une en soie. C'est bien ça? Oui, si. Faites-moi faire trois autres. Deux bleus marines et un gris clair. Entendu. Si, si, entendu. Et yo conso vous pour les délèches. Si, il n'y a pas de problème. Je vous livre les premiers dans la journée comme je m'y suis engagé. D'accord. Bon. Eh bien, voilà. Eh bien, au revoir, monsieur Spinetto. Eh bien, merci et au revoir, monsieur. Au revoir. Ah, et pour la petite note, ah, j'ai... Pas de problème. Je vous enverrai mon comptable. Très bien, merci beaucoup. Au revoir, monsieur, et au revoir, monsieur Malloy. Et, au revoir. Et merci beaucoup. Au revoir, monsieur au revoir. Malloy, et merci beaucoup. Si. Merci. Au revoir, monsieur, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Un peu envahissant, mais gentil. Marc, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi? Bah, ce clown qui vient de prendre tes mesures. Ben c'est pas un clown, c'est mon tailleur. Ah, parce que tu as un tailleur maintenant. Oui. Ah. J'ai compris une chose. Les femmes adorent l'élégance. L'élégance, mais c'est plutôt 6 costumes, si j'ai bien compris. Eh, mais 6 costumes, c'est plus économique. Comme ça, tu prends qu'une seule fois les mesures. Comme je sais que t'es un peu juste en ce moment. Et pourquoi est-ce que tu as besoin d'être si élégant tout à coup? Tu dois aller recevoir le prix Goncourt ou quoi? Ah non, pas encore. C'est pour Magali. Ah. J'ai rencontré leur nouvel ami. Alors je l'ai fait parler, l'air de rien. Et devine ce que Magali adore. L'élégance. T'as trouvé! Ça explique pourquoi t'as besoin de te faire faire 6 costumes sur mesure, c'est ça? Et voilà. Toi, quand tu veux, tu comprends tout. Qu'est-ce que tu penses de ma démarche féline et de mon gabarit? Ou encore aller chez le bottier, parce que lui pouvait pas se déplacer. T'aurais pas un peu d'argent liquide pour les pourboires? Parce que pour les factures, t'inquiète pas, j'ai ta carte de crédit. Je me sens beaucoup mieux. J'aime beaucoup votre douche à jet. Oui, ça passe bien. Tu veux une tasse de thé? Ah, je veux bien, merci. Ouh là là, j'échappais belle tout à l'heure. J'ai rencontré votre voisin dans la salle de sport. Lequel? Mais enfin, Magali, puisqu'elle l'a échappé belle, c'est évident, c'est Marc. Oui, c'est ça, Marc. Oh, quel pot de colle. Il m'a coincé au bord de la piscine. J'ai cru que je ne m'en sortirais jamais. Ça ne m'étonne pas. Bon, excuse-nous, on aurait dû te prévenir. Oui, des pots de colle, j'en connais. Mais des comme lui, j'ai rarement vu ça. Vous ne pouvez pas imaginer. Oh, si, on imagine très, très bien. On a l'habitude. Et vous faites comment pour vous en débarrasser, vous? On a notre technique, mais c'est un secret. Non, non. Vous ne pouvez pas me le dire. Mais imaginez que je le rencontre sur le palier.
ou je ne sais où. Ouh. Ah, bah tu vois, tu l'as, la technique. De toute façon, il n'y a qu'une seule façon. La fuite. Oui. Et il est comment, ce copain? Tu l'as vu, non? Il est sublime. Oui, oui, il est bien. Et, tu savais qu'il avait un faible pour toi, Claire? Qu'est-ce que t'as dit, là? J'ai dit qu'il avait un faible pour toi, Marc me l'a dit. Attends, tu veux dire que Daniel a un faible pour Claire? Tout à fait. Marc a été très clair, si je puis dire. Daniel? Notre Daniel a un faible pour moi? Claire, tu sais bien que Marc raconte n'importe quoi. Oui, je sais, mais là, il n'a pas d'intérêt à le faire. Ah, Daniel? Tu sais, Daniel, ces derniers temps, me regardait d'une manière bizarre. Ah bon? Oui. Je vois que le petit faible est largement partagé, n'est-ce pas, Claire? Bon, ben, moi, je vais m'habiller. Magali, ça ne te dérange pas de m'aider à me sécher les cheveux, s'il te plaît? Non, ça va me changer les idées. Thierry. Allô, Thierry, c'est Claire. Bon, alors ce soir, il faut absolument que tu t'occupes de notre fils Vincent. Voilà. Oui, parce que j'ai un dîner de boulot à la fac. Comment ça, ça n'existe pas, les dîners de boulot à la fac? Mais si, ça existe. Oh, Daniel, quelle surprise! Vous arrivez ou vous partez? Je descends. Moi aussi. On va prendre l'ascenseur ensemble, alors. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien fait de mettre cette robe. J'ai un petit peu peur d'attraper froid. Au niveau de la température, je ne sais pas, mais en tout cas, elle vous va très bien. C'est vrai? Ah oui, elle est en parfaite harmonie avec votre style. Merci, Daniel. Je le prends comme un compliment venant du cœur. Le voilà. Je vous en prie. Merci. Vous allez au rez-de-chaussée? Oui, je descends acheter du pain. Très bien. Vous sentez très bon. C'est quoi? Oh, laissez-moi deviner. Aftershave, Claire. C'est juste l'aftershave. C'est merveilleux. Vous en voulez? C'est quoi? Des pastilles américaines. Ça ressemble à quoi? À rien de connu ici. Mais c'est très bon. C'est vous le dit. Merci. C'est rien. Oh, attendez. Vous connaissez la tradition? Quelle tradition? Avant de goûter quelque chose pour la première fois, il faut faire un vœu. Ah oui, on fait la même chose aux États-Unis. Il y a de fortes chances pour que ça marche. Moi, j'en sais rien, mais... Bon. On fait un vœu? Je me concentre. Voilà. Ça y est? Oui. Hein, vous pouvez goûter maintenant? Ah bon? On dirait qu'on est en panne. Oh, ça alors, ça a marché. Enfin, oh, c'est ennuyeux. Chut, on est coincé dans l'ascenseur. Peut-être pour des heures. Bon, ben, on fait quelque chose. Ah. Oh, c'est Daniel. C'est vous qui étiez bloqué dedans? Eh oui. Ben, vous pouvez me dire un grand merci, hein, si vous êtes resté bloqué que 2 ou 3 minutes. N'est-ce pas, monsieur? Oui, oui. Ah. Merci, Gérard. Merci, monsieur. Moi, quand j'ai entendu la sonnerie retentir, je me suis dit que c'était... la belle feuille, quoi. Mais non, c'était pas moi. Vous voyez bien que c'est pas de ma faute, j'étais pas dans l'ascenseur. Reconnaissez que c'est vous qui me détraquez tout le matériel ici. Non, je reconnais rien du tout. Toujours est-il que lorsque l'ascenseur est tombé en panne, je me suis rappelé que j'avais vu le monsieur de l'entretien dans les escaliers. Ah. Alors je suis monté, je l'ai prévenu. Il a mis à peine 5 minutes pour vous délivrer. Oh, incroyable. Bon, je vais chercher mes affaires, je reviens après. Oui. Ah bah ça... C'est vrai, c'est rare une réparation aussi rapide, non? Oui, très rare. En tout cas, merci, Gérard. Je t'en prie. Mais qu'est-ce qu'il y a, Claire? T'en fais une drôle de tête. Moi, t'as dû avoir une de ces trousses. C'est vrai que c'est super angoissant de rester bloqué dans un ascenseur. Bah, si. Si, je... Oh, Daniel. Claire, remettez-vous. Tout va bien maintenant.
Bonjour, Daniel. Bonjour. 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 Oh là là, je sais pas ce qui s'est passé, on a descendu tous les étages à pied. Il est coincé, cet ascenseur, ou quoi? Je vous explique, les filles. C'est Claire et Daniel qui étaient bloqués dans l'ascenseur. Mais rassurez-vous, j'ai fait le nécessaire. Attends, tu veux dire que Claire et Daniel étaient bloqués dans l'ascenseur? Pas longtemps, au moins. Mais non, 5 minutes à peine. Mais par chance, le monsieur de l'entretien était dans l'immeuble. Ah, j'ai ça. Oh, Marc! Oh, est-ce que tu es élégant? Non, vous trouvez pas les filles? Oh, si! Oh, Marc! Alors? T'as vu la tête de Magali? Ça lui a fait de l'effet, non? En tout cas, elle avait l'air surprise. Surprise? Allez, dis-moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, pas grand-chose. Pas grand-chose? Mais quoi exactement? Je sais pas, j'ai oublié, Marc. Comment ça, t'as oublié? Essaie de te souvenir, c'est vachement important pour moi. À chaud, en me voyant. Elle a dit quoi? Mais Marc, si tu voulais savoir ce qu'elle disait, pourquoi tu es parti? Ah, parce que c'est une technique. Elle me voit. Elle est tétanisée complètement. Et à ce moment-là, je disparais. Pour la laisser sur sa faim. Trouves pas ça génial, toi? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, en me voyant? Bon, écoute, elle a dû dire qu'elle t'a trouvé élégant, c'est ça, élégant. Élégant, j'en étais sûr. Toi, on dit toujours que l'habit ne fait pas le moine. Mais quand t'es pas moine, ça aide quand même. Si tu veux, je te donnerai l'adresse de mon tailleur. Oh non, merci, c'est trop cher pour moi. Remarque, si tu changes d'avis, c'est pas la peine que je te donne l'adresse. Elle sera sur la facture que le tailleur va t'envoyer. Oui, bien sûr. Merci, Marc. Y a pas de quoi. Bon alors, elle a été séduite, et quoi? Ensuite? Ensuite, rien. Comment ça, rien? Elle a bien été troublée, irrémédiablement attirée. Franchement, Marc, j'ai pas fait attention. Et ça se sent, ce genre de choses. Une femme laisse toujours échapper une parole ou un geste qui trahit ses sentiments. Oui. Elle s'est mise à rire. À rire? Oui. Bon, ça, c'est incroyable. Les filles, dès que tu éveilles leurs pulsions, ça leur porte sur les nerfs. T'as pas entendu un bruit derrière la porte? Moi? Pas du tout. Bon, alors récapitulons. Face, je sonne pas. Pile, je sonne. Allez. Face. J'ai pas dû lancer assez haut. Voilà. Face encore. Oh, et puis je me donne une troisième chance. Et ben voilà, c'est pile. Je savais bien que le destin était en ma faveur. Je sonne. Ah, Claire, bonjour. Daniel, je ne vous dérange pas? Pas du tout. J'avais très envie de vous faire un petit coucou. Ouais, je vous en prie, entrez. Merci. Marc, vous êtes là? Oui. Alors, vous n'avez pas résisté à l'envie de me revoir? Au revoir. Ah oui, bien sûr, oui. On dirait qu'on a le même tailleur. Quoi? Pas le même comptable, heureusement. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Ah. Et où est Magali? Magali, je sais pas, moi. Ah, mais si, elle est en bas au club de gym. Oh, en train de faire des UV. Vous devriez aller la voir comme ça, elle sera ravie, elle m'a dit qu'elle vous trouvait superbe. Ah bon? Oui, allez-y. Ah, c'est une bonne idée, je vais y aller. Allez. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, c'est Marc, quel phénomène. En plein jour, habillé comme ça. Il y a des moments où il arrive encore à me surprendre. Et pourtant, je le connais bien. Daniel, vous m'offrez quelque chose à boire? Oui, bien sûr. Je t'assure, il avait l'air ridicule dans son costume. Le plus terrible, c'est que je suis sûre qu'il a payé son costume une fortune. Tu crois? Je suis sûre que ça se voit au tissu. Non. Si. Oh, attention, la voix. On prend la fuite? Non, reste. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur Claire et Daniel. Salut. 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 Vous invite à prendre un verre, les filles? Oh, avec plaisir. Bon, ben, je vais commander une table. Tu crois que c'est vraiment obligatoire d'aller prendre un verre avec lui? Écoute, tu fais comme tu veux, mais moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur Claire et Daniel. Oh, d'accord. Voilà, asseyez-vous. Merci.
Jus d'orange pour tout le monde? Oui. C'est parti. Trois jus d'orange. Vous êtes très, très élégant dans votre costume. Merci. C'est vrai qu'il me va pas mal. Vous savez, l'élégance, c'est inné chez moi. Et puis, c'est pas très gentil de toujours venir à la salle de sport en jogging. Enfin, je veux dire, jogging. Comme ça qu'on dit, j'ai tout bon. Bon. Venez voir, petit Marc, venez voir. C'est sympa ce que vous me dites, là. Hein? Oui. Comment va Daniel? Il va très bien. Il est à l'appartement avec Claire. Pardon? Oui, prenez un verre. Je les quitte à l'instant. Je sais pas, là, je me sens un petit peu ridicule à côté de vous. C'est vrai, j'ai envie de me changer. Ce sera beaucoup mieux. Vous en plus, vous êtes très bien. Non, non, j'y tiens beaucoup. Moi aussi, je vais y aller. Ouais. Allez, au revoir. Mais qu'est-ce qui leur arrive, Marc? Elles m'ont presque bousculé en prenant l'ascenseur. Non, non, rien du tout, t'inquiète pas. Elles font un complexe par rapport à moi, tu comprends? Elles veulent se changer. C'est bon signe, Gérard. C'est la preuve que ça marche. Ça marche. Ça marche, oui. Mais tu crois qu'on peut débarquer chez lui comme ça? Mais c'est gênant tout de même. Oui, c'est gênant. Mais de les savoir seuls tous les deux, Claire et Daniel, non, c'est un cas d'urgence. Mais qu'est-ce que tu vas leur dire? Eh ben, je sais pas ce que je vais leur dire, mais... en tout cas, je vais les empêcher de commettre l'irréparable. Oui, tu as raison. Bon. Vas-y. J'y vais. Ah, bonjour Marguerite. Bonjour Marion. Daniel. On ne vous dérange pas? Pas du tout, entrez. J'étais avec Claire. Et Madame Bellefeuille. Oh, Madame Bellefeuille. Moi, j'étais juste montée pour dire à Marc combien il est beau avec son nouveau costume. Et je l'ai raté à quelques secondes près. C'est pas de chance. Hein. Vous avez vraiment dû vous croiser. Il venait de sortir quand vous êtes arrivé. Oh, c'est vraiment pas de chance. Ah oui, vraiment pas de chance. Mais c'est pas grave parce que j'ai une conversation très intéressante avec Claire et Daniel. Nous parlions des hasards qui changent le cours d'une vie. Vous y croyez, vous, à ça?